Strasbourg, là, t'arrives devant. Moi, je connaissais pas du tout. C'est juste, déjà, t'arrives, c'est juste impressionnant. C'est des conditions de malade. On réalise, mais on sait aussi qu'il va falloir beaucoup bosser. Il y a un rythme particulier qui me plaît beaucoup. Le fait de se lever et vraiment d'être motivé par l'idée juste de faire du théâtre, c'est quelque chose qui m'arrive pas tout le temps, même si j'adore le théâtre, mais c'est difficile. Et là, j'ai envie d'en faire plus, j'ai envie vraiment que ça aille plus loin, que ce soit plus intensif, même si c'est déjà intensif comme ça. Ouais, la première semaine, c'était dur, c'était dense. Et après, par contre, la deuxième semaine, j'ai rien vu passer. Donc comme quoi, le rythme, on l'a intégré quand même au fur et à mesure. Mais là, je suis lessivée. Ce qui est trop bien avec ce programme, c'est que c'est la place qu'on nous donne au sein de l'école. J'ai l'impression qu'on est traité, en tout cas, on est trop bien traité. On est accueillis presque comme des élèves. On a accès à tout le théâtre, à des locaux, à un plateau, à des intervenants de qualité qui donnent énormément de temps pour nous. Il y a un truc où on est regardé, écouté, où on a l'impression d'être important en fait. On est aussi à côté des élèves de l'école du TNS. On a assisté à leurs cours, on a vu un peu comment ils vivaient, etc. Et ça donne envie de s'y mettre en fait. Enfin, je sais que j'ai jamais eu autant envie de bosser que cette dernière semaine. C'est incroyable qu'on vous offre, c'est pas mal, tout ça. On ne vous demande pas de gratitude, on vous demande de faire. Le seul cadeau que vous pouvez nous faire, c'est de bosser comme des gens. N'oubliez jamais que c'est un complément de formation. Vous êtes tous dans les cours, dans les conservatoires, etc. On ne se substitue pas à ce que vous faites ailleurs. Ils sont dans la rencontre, ils sont là en nous disant « il n'y a pas de certitude, moi je suis en train de chercher avec vous, et on cherche ensemble ». Ce qui est impressionnant, en fait, c'est que les étudiants nous apprennent. J'ai l'impression tout en apprenant de nous. Ils nous apprennent, et en même temps ils apprennent de nous. Et ils se nourrissent de nous pour nous apprendre. Moi, je les ai bien écoutés, là, tous, et donc j'ai relevé un peu des choses qui m'ont apparu qu'on peut travailler plus particulièrement individuellement, je parle. Hein, voilà. Ces deux semaines, elles m'ont permis d'identifier plein de choses sur lesquelles il faut que je travaille. Et je pense qu'identifier ces choses-là, c'est le début, en fait. Tu peux rien faire sans que tu saches pas où est-ce qu'il faut travailler. Et j'ai l'impression d'avoir fait un bond de géant, rien que parce que j'ai identifié plusieurs... J'ai pas tout identifié, mais j'ai identifié plusieurs endroits où je sais qu'il faut que j'aille creuser, où j'ai des directions où aller. Ils sont complètement poussés dedans. Et qu'est-ce que ça fait du bien? Ils ont ouvert des petites fenêtres et des petites portes et dans lesquelles on est tous en train de s'engouffrer et prendre énormément de plaisir. Et c'est surtout parce qu'on arrive à s'engager nous-mêmes. Même mes potes, ils me le disent. Enfin, je suis plus ouvert. Avant, j'avais peur. J'avais peur de créer, j'avais peur de me montrer, j'avais peur du regard des autres. Maintenant, une fois sur le plateau, rien à foutre. Rien à foutre de ce qui peut se passer. T'es sur le plateau, t'es seul. Sur le plateau, t'es seul. Même si t'as d'autres personnes à côté de toi, sur le plateau, t'es solo, mon pote. En faisant ce métier, il y a un moment donné où on a besoin de renouveler un petit peu son désir. On a besoin de se rappeler pourquoi on le fait. On a besoin de se rappeler ce qu'on défend, peut-être d'où on vient aussi, etc. Et en tout cas, le programme Premier Acte, je trouve, permet ça.